Pardon, on se demandait si vous aimeriez... Le méchant diabolique homme laser. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Quoi? L'homme sirène, l'homme laser, il est revenu, il est chez Carlo. Trop tard, l'homme laser les a déjà eus. Des bâtonnets de glace de l'homme sirène et Bernard, leur métier sont enfin tordus. Attends, Patrick, on a tous les deux tort. C'est écrit ici dans le numéro 55. L'homme sirène et Bernard l'ermite font simplement une sieste cryogénique. Mais à leur réveil, dans un mois, ils seront à plat pendant un mois. Patrick, tu sais ce que ça veut dire? Je vais devoir attendre un mois pour avoir ma glace homme sirène? Oui et non. Ça veut dire que toi et moi, nous allons devoir être l'homme sirène et Bernard l'ermite et empêcher l'homme laser de passer des vacances diaboliques. Par le pouvoir de Neptune, comme l'éponge sirène et Patrick l'ermite réunis. Patrick, est-ce que c'est... À moi, c'était trop long. Heureusement, je suis très furtif, hein, Bob l'éponge sirène. Ah, trop furtif. Des intrus! Il faut que j'appelle la police. Mais qu'est-ce que je fais? Les méchants n'appellent pas la police. Ah, je ne pensais pas devoir emporter des armes super diaboliques en vacances. Ce sera un mieux. Qui aurait cru que Carlo avait en réserve un immense arsenal d'armes super mortelles? Oh. Complètement rassis, mais destructeur. Que j'ai trouvé mon arme. L'homme sirène et Bernard l'ermite. Je savais que vous étiez vieux, mais je ne pensais pas que vous aviez muté. Prends-toi, l'homme laser. Je suis en vacances. C'est ça, des vacances diaboliques. Prépare-toi à te faire encadrer. Vase vaporisé. Un dessert qui fait mal à tous les coups. Figurine fracturée. Très bien, l'homme laser. Je vais te piéger dans les filets de ma clarinette. J'ai rien qui me passe par la tête. Renversé sur la table. Je voulais être en vacances pour une fois. Un méchant ne part jamais en vacances. Tu viens de l'inventer? Ça me plaît bien cette phrase. Dis-moi, je pourrais te l'emprunter? Tout le plaisir est pour moi, l'homme sirène. Oui, serre-toi, haute souffrance. Oh, pourquoi je me prends la tête à essayer d'être normal? Je suis l'homme laser. Subissez ma colère diabolique. Attendez, il faut que je réponde. Allô? Allô, monsieur Laser? La météo a modifié mes plans. Je rentre chez moi. Mais vous inquiétez pas, la somme intégrale vous sera remboursée. Enfin, du moment que vous n'avez pas dégradé mon logement.